Dans cette vidéo, j'ai le choix de choisir ce que la team JD vont manger durant 24 heures. Oh yeah, oh yeah, de rien du tout, zéro aucun. Oh putain. Tu verras, plus tu verras, tu vois. Fallait pas nous chercher, là c'est trop grave. On se lève tôt, on se couche tard, bénéfice large, bénéfice max, poche pleine donc bénéfice tasse. Tu dois donc bénéfice taxe, paye alors, me raconte pas d'histoire. Si t'as pas dosé gros, me fais pas du style, genre t'es en place, genre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et qu'est-ce que nous allons faire, Salem? On va tout simplement passer à 24 heures où c'est le Rocket 9-2 qui va décider ce que l'on va bouffer pendant 24 heures. Donc voilà la team, le requin, c'est le frérot, c'est le sang. Franchement, on le kiffe et tout. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de vous abonner si vous kiffez ce genre d'épisode, de vidéo. Et dites-nous dans les commentaires quel autre youtubeur vous aimeriez voir sur notre chaîne. D'ailleurs, la chaîne du requin 9-2 est en description, donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner et checker un peu sa chaîne. Mais je pense que vous le connaissez déjà. Bah oui, bon, de bon matin, moi j'ai hyper faim. Est-ce qu'on passerait pas la vidéo du requin là? C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'il nous a préparé lui? Bonjour les abonnés de la team JD, c'est le requin 9-2 avec vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, tu connais. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai le choix tout simplement de choisir ce que la team JD vont manger durant 24 heures. Donc matin, midi, soir. Donc là, c'est un plaisir tout simplement. Et on commence directement avec le repas du matin. Alors pour le repas du matin, c'est très simple. Salem, tu as mangé un petit déjeuner sucré. Tu as mangé des œufs au plat avec du bacon, avec du bon bacon halal tout simplement. Avec un accompagnement, tu vas prendre du bon petit jus d'orange. Et pour Momo, tu vas prendre tout simplement un bon petit jus d'orange aussi, avec simplement des pains au chocolat croissant et un petit éclair au chocolat. Voilà, un petit déjeuner bien sucré là. En tout cas, voilà, ça va faire petit déjeuner sucré et salé entre vous deux et tout. Tu connais, tu connais. Bon appétit pour le petit déjeuner. Il nous a régalé. Il m'a donné ce que j'aime. Donc, ouais, le salé de bon matin et bon moi bon, le sucré. En sachant que la team, je vous jure, il n'y a pas de tricherie ni rien. On savait même pas ce qu'il allait nous dire pour manger tout ça. Je parlais un peu chinois. Mais en gros, vraiment, là, ça part très très bien. Franchement, là, moi, je propose d'aller bouffer. Salem, est-ce qu'on va manger là? Bien sûr. Yeah. Ok la team, ça y est, on a préparé le petit déjeuner que le Roquin 9-2 nous a dit. Et merci le Roquin. Voilà, franchement, j'ai faim et je suis content. Donc je répète, un pain au chocolat, un croissant. Et donc malheureusement, il n'y avait pas d'éclair au chocolat. J'ai pris un éclair au café. Donc voilà, mon petit jus d'orange. Et toi Salem? Mon petit jus d'orange aussi. Et là, on a 3 œufs que Momo m'a préparé avec 4 tranches de bacon. Chose que j'aime beaucoup. Franchement, moi, je suis chef cuistot, t'as vu, Philippe at the best. Donc la team, on vous laisse un petit plan d'insert, un petit plan rapproché et on va déguster ça. Voilà la team, en tout cas, mon assiette avec le pain au chocolat, le croissant et l'éclair. Donc voilà, et là, le petit jus d'orange qui a l'air d'être juste succulent. Et ça l'aime ton assiette. Oh là là là, 3 œufs, du bacon. My bacon. Ok la team, moi j'ai envie de commencer avec le pain au chocolat. Moi par les œufs. Oh l'éclairage, il est incroyable la team, vraiment. L'œuf, il est magnifique. Oh là là, regardez la team. Regardez-moi cet œuf là, comment il est beau gosse. Oh, il est coulant. C'est bon, ouais. Le pain au chocolat, il est incroyable. Écoutez le bruit. Une petite tranche de bacon pour voir si Momo me l'a bien préparé. Bismillah. Bien grillé. À l'américaine un peu, bien grillé. Au steak, mon pote. Oh là là. Allez hop, là je vais faire bacon plus œuf. Bien sûr, du bacon halal. Oh, dans chaque vidéo où il y a du bacon, on me dit s'il est halal ou pas. Bien sûr, frère, on mange que ça. Ça se voit, c'est le petit déj préféré du requin. Ça se voit, lui, des fois il hésite, et ben il prend les deux. Allez la team, j'ai passé au croissant en espérant qu'il va être bon. Moi j'ai pas trop le choix, donc c'est toujours les mêmes choses, mais c'est les choses que j'aime bien. Croissant bien beurré, on sent bien le goût du beurre, très très bon. On brouille avec le bacon qui veut pas se plier, hop. Aïe, regardez-moi ça là.
Regarde. Ça a failli tomber. Oh là là, il donne envie. Franchement, le bacon là avec l'œuf, il donne envie. Bref, petite gorgée de jus d'orange. Voilà, c'est trop bon. Vous savez pas ce que vous ratez. Même toi, le roquin, c'est pas ce que tu rates. Ouais, franchement, t'aurais dû venir chez nous, hein. T'aurais dû choisir ce que t'allais manger toi aussi. Et hop, vidéo à 3. Eh ouais. En tout cas, team, je vais finir avec l'éclair au café. Oh, hey, Regardez l'intérieur, c'est juste incroyable. Ça sent bien le café. J'espère qu'il va pas être trop fort. Bismillah. Ah, il s'est mis bien, Momo aussi. En fait, on a eu chacun ce que l'on aimait, en fait. Hop, en découvrant la vidéo du requin, on a été contents. Franchement, ouais. Avec sa dégaine, là, sa petite tête, là. Voilà, team. On va finir le petit déjeuner. Tranquillou. Bon, alors que Salim, il a bientôt fini. Et après, on se retrouve juste après. J'ai fini. La team, voilà, on est à la station d'essence. Salem, il est en train de mettre de l'essence, logique, il est où? On le voit plus. En tout cas, là, on va aller chercher Ferres et Krimo. On va passer l'après-midi ensemble et tout. Et voilà, donc sur ce, il est 11h30. Donc on va rester un peu avec lui, tout ça. Et après, on verra qu'est-ce qu'on va manger. Et il est là, le metteur d'essence. C'est bon, c'est parti alors, hein. Yo, what's up, homie? Get out, Les hats, c'est des retours, les hats. Alors, Fer, ça va ou quoi? Ouais. C'est quoi ce masque là? On est plus en Covid là. T'es. T'as... Hein? Voilà. Salem, il est occupé à faire une marche arrière. Putain, je suis essoufflé. T'as vu? Oh la voiture! Oh là là! En tout cas, voilà la team. Là, on va se caler un peu. Et on a une petite surface pour vous. Donc, une fois qu'on sera calé, une fois que j'arrête d'être essoufflé, on se retrouve. Bon, la team, ça fait un petit moment qu'on papote entre nous. Donc, je pense qu'il est temps de regarder ce que le requin nous propose pour le midi. J'ai un peu faim. Franchement, moi, j'ai très faim, frère. Voilà, j'ai la dalle là. En espérant qu'il va nous régaler. En tout cas, pour le petit déj. On a été bien servi. Ouais, moi perso, j'espère qu'il va continuer à être gentil, tu vas pas faire le bâtard. Sur ce, la team, passe à la vidéo. Ah, pour le repas du midi, ça va être très simple. Vous allez pas prendre les mêmes trucs, hein. C'est très simple. Salem, tu vas prendre un tacos XL. Tacos XL avec, je sais pas, moi, on va te mettre viande hachée, cordon bleu, nuggets. Ça, ça passe plutôt bien. C'est un bon mélange. Et Momo, tu vas prendre un tacos sans fond à base de nuggets, ma gueule. T'as vu, on va rigoler un petit peu. T'as vu, t'as un gros tacos Salem. Momo, il a un petit tacos sans fond. Ça va être bien marrant. Et comme boisson, vous allez prendre quoi? Vous allez prendre tous les deux Oasis Tropical. Et comme dessert, vous prenez tous les deux un tiramisu, spéculoos, Nutella. C'est vraiment la balle. Oh yeah! Oh yeah, de rien du tout. Moi, c'est requin. Oh, le requin, je l'aime. Voilà, je l'aime. Oh, c'est bon, j'étais sort. Ok. Eh ben, je rigole, je vais revenir parce que j'ai faim. Donc, Eh ouais, putain, mais petit tacos là. Eh ouais, mon pote, on a besoin. Arrête de beaucoup manger. Besoin. Au contraire, moi, je suis un mec gros. J'ai besoin de beaucoup de nourriture pour mon corps. Il faut pas que tu me mettes un peu. Parce que, allez, je ressors. Eh ben, non, je rentre. Bon, la team, franchement, c'était là, je m'en bats les couilles, je vais pas être le seul à manger un petit tacos, tu mangeras avec moi. Il m'a pris pour assumer des je m'en bats les steaks. Tu vas prendre un menu enfant avec moi, je m'en bats les steaks. Il m'a appelé à minuit, il était en pleurs, il a fait vase. Ça veut dire les deux vont prendre un menu enfant chacun, alors que moi je vais prendre un 3 viandes. Voilà, en tout cas la team. Vive les requins. On commande. Salem, on va aller commander. Salam alaikum. Alors dis-moi, tu veux pas qu'on te prenne viande? Alors mets-moi steak, nuggets et cordon bleu s'il te plaît. Sauce algérienne curry et avec beaucoup de sauce fromagère s'il te plaît. Wow. Voilà la chine, la petite commande extraite. Regardez mon tacos comment il dépasse. Regardez quoi? Ouais, regardez mon tacos. On le voit même pas, putain, le roquet, je t'aime. Voilà, rien pour ça. Abonnez-vous à sa chaîne. Ouais, abonnez-vous, ouais. Quand tu n'es ni un bon ni un voyant, je pars pour les ruiner. Toi, t'es personne. Moi, je fais descend. Donne le caisson, frère, ça suffit, t'as l'air fait un album. Momo. Ouais, ça tient pas à faire un frère. De ouf. Donc, franchement, la team, après la dégustation du repas de midi, c'était chaud, Fares. On a un son qu'on a déjà de côté, qu'on hésite pourquoi pas le sortir. Ouais, c'est un petit freestyle tranquille. Voilà, donc c'était chaud, on le fait en vidéo et comme ça, on vous le fait écouter.
écouter, on le fait écouter à Fès. Comme la musique se pose, on te boit, Red Bull, vodka, là je suis raptor, je rigole, je bois pas. Donc voilà, et vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, vous noterez le son. Vous mettez une note sur 10. Voilà. Et vous devez mettre une note entre 9 sur 10 et 10 sur 10. Voilà, parfait. Bon là, team, retour à la réalité. J'ai toujours pas oublié que j'avais un menu enfant, frère. Hein, parce que quand j'ouvre la boîte et que ça fait seulement la taille de ma main. L'éponge, et que moi, bon, j'ouvre ma boîte et que ça fait la taille de ma tête. Attends, regardez le tacos de Momo comparé à mon tacos. Oh, rien à voir. Regardez même la grosseur. Vas-y, le requin. Ouais, le requin, t'es un bon. Voilà, je t'aime. Je vais me contenter des frites. Ça va plus te caler que ton tacos. Ouais, je crois. La team, on n'oublie pas le bon petit Oasis. Donc, je vais m'hydrater moi d'abord. Non, moi, je vais me caler d'abord. Moi, mec, qui est pas le seul à succomber. Miskin, voilà la victime de Momo derrière. Donc, la team, je tenais à vous dire aussi, comme quoi il n'y avait pas de dessert. On a demandé des tiramisu au Nutella. Malheureusement, il n'y a pas. Donc, on va se contenter de rien. Et voilà. Vas-y, Salem, tape un croc. Bismillah. Vas-y, Fares. Oh, la sauce, bismillah. Oh là là, et moi. Et moi j'ai pris mayo ketchup pour vraiment être un enfant, t'as vu? Bismillah. Voilà, c'est grave bon, frère. Perso, j'ai jamais pris un tacos 3 viandes de viande hachée, cordon bleu et nuggets. Je découvre et franchement, c'est grave bon. D'habitude, nous on met kebab tenders et une autre viande. Voilà. Non, mais là, t'as pris cordon bleu, nuggets et steak. Oh, 3 viandes qu'on prend pas régulièrement. Je te jure, jamais je les prends. On tape un croc pour goûter, hein. Je tape dans le mien. Vas-y. Mais est-ce que t'as le droit? Oui, tranquille, non, tranquille, va, tranquille. Le requin, tu me permets, frère. Le tacos que tu m'as donné, tu me permets de taper un croc. Dans les commentaires, dis-nous si tu l'as permis ou pas. Oh, laisse-moi le croc magique. Non. Le croc magique. Il a fait un croc magique, mais handicapé. Non, le croc magique, il me l'a hagar, frère. Bon, je goûte le tien. Voilà, rien que pour ça, le tien, le hagar. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Oh, le bâtard. Là, ça va. Oh là là, le tien, il est trop bon, frère. Je sens qu'il y a plusieurs viandes. Moi, il a pas de goût. Le tien, il y a plus de ketchup que de viande, frère. Ouais, franchement. Il a pas de goût. Bon, la team, c'est le moment du croc magique. Croc à gauche, croc à droite. Croc du milieu, c'est le meilleur de tout le tacos, bien évidemment. Comme d'hab, on plagiat. Vas-y, honneur à toi. Bismillah. Oh là là. En tout cas, j'espère que vous nous voyez bien. Voilà, on est dehors. Et que vous aimez bien la vidéo. Voilà, exactement. Maximum de likes et tout. Donc voilà, je passe à la déjà l'intro, mais dites-nous des youtubeurs que vous voulez voir pour qu'ils contrôlent notre 24 heures, tout simplement. En tout cas, moi, je l'ai presque fini là. Moi, je suis loin de l'avoir fini. Karma, waouh. Ça se voit, t'as la haine contre moi parce que t'as un petit tapis. Ouais, je t'ai porté le bâtard. Ils se replayent entre eux, tu sais. La team, il me reste un bout de tacos. Donc je peux le taper en deux petits crocs ou un seul gros croc. A votre avis, je vais faire quoi? Je suis gros, eh ben gros croc. Wesh. Normal. Ça va? La team, je vais m'hydrater, j'ai grave soif. Putain, j'ai encore faim. Merde, putain. Tu m'as coupé, j'étais en train de boire. Hein? Non mais vas-y, continue, t'inquiète. Équipe, on va s'hydrater. Salut, c'est moi, Choupige. Il est bon? Oh, franchement, ça m'a fait du bien de boire. Ouais, ouais, allez, lourd, on est ensemble, frère. Ouais, t'inquiète. Tu veux un croc? Hein? Non, t'inquiète, merci, Royal, t'inquiète pas. Non, sérieux, vas-y. Ah, non, t'inquiète, je respecte le défi, t'inquiète. Sûr? T'inquiète, si je respecte le défi. Je vais prendre sa place, hein. Tiens. Il est pas dans le défi, attends, lui. Moi, je s'en bats les couilles, il peut manger le mien, il peut le finir. Ouais, bon, la team, je vais finir mes frites. Salem va continuer son tacos. Et moi, ma malheureusement, il n'y a pas eu de dessert parce que j'aurais bien aimé en avoir. Mais bon, tranquille. Du coup, on va finir de manger tranquillement. Et on se retrouve pour le freestyle. Donc voilà, team, c'est une instru drill. Mais qui reste un peu ambiance et tout. Donc voilà, on aime bien tester les instrus et tout. Et voilà. C'est dans la tendance à drill et voilà. Ok. 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 Je suis bouillant. Okay. Là je suis bouillant. Okay. Là je suis bouillant. Okay. Là je suis bouillant comme cet enfant Milan. Viens faire photo, wesh, on n'est pas méchant. On veut benzer nous pas comme des champs. On veut benzer nous pas comme des champs. Depuis gamin on a fait du chemin. C'est pour ça que maintenant tous les deux on est malin. On veut de l'argent et pas des câlins. Faut faire ta mère et passer ta pain. Y'a que des vrais cibles, passe pour toi. Tu te fais niquer, je me préoccupe pas. Dans la casa moi je fais les 100 pas. Quand le poteau son mari sort le champagne. T'es une tasse pénale, viens pas me voir. 7 fois à 5 cents, creuse dans le couloir. Tu verras flou,
tu verras tout noir. Fallait pas nous chercher, là c'est trop tard. Des quichetas, des quichetas, des quichetas, on en veut. Des milliers, des millions, des milliards, on en veut. Des quichetas, des quichetas, des quichetas, on en veut. De toutes les couleurs, tant qu'il y en a, tant mieux. Des quichetas, des quichetas, des quichetas, on en veut. Des milliers, des millions, des milliards, on en veut. Des quichetas, des quichetas, des quichetas, on en veut. De toutes les couleurs, tant qu'il y en a, tant mieux. Hey, la hey, bien joué, Momo. Ok, salut. Depuis petit peu j'étais dans le foot, maintenant on va percer, là y'a pas de doute. Tous les haineurs dans le banc touche. Papa derrière off sa couche. J'mite au pas, j'suis pas menteur. Autour de moi que des bandeurs. J'veux connaître ma vie, j'te donne pas l'heure. Regarde y'a Tago qui m'envoie des cœurs. On veut qu'il taille Mili, les NK c'est fini. Fais pas le grand nom, c'est mon bambini. On veut qu'il taille Mili, les NK c'est fini. Fais pas le grand nom, c'est mon bambini. J'ai des quichetas, on en veut. Des milliers, des millions, des milliards, on en veut. Des quichetas, des quichetas, on en veut. De toutes les couleurs, tant qu'il y en a, tant mieux. Des quichetas, des quichetas, des quichetas, on en veut. Des milliers, des millions, des milliards, on en veut. Des quichetas, des quichetas, on en veut. Toutes les couleurs, tant qu'il y en a, tant mieux. C'est propre, c'est propre. Dites-nous en commentaire le freestyle si vous avez aimé ou pas. Donnez-nous une note pour ce freestyle. En tout cas, moi, franchement, j'aime bien la drill et tout. Même moi, ça bougeait Pas bien. Crème, tout. T'as vu là, je suis bouillant, bouillant, comme c'est dans Fumilan. Si, si. Et voilà la team. Donc là, je pense qu'on va rentrer chez nous. On va faire quoi, Salem? Bah, je crois que je vais me reposer un peu. Ouais, je vais digérer parce que le tacos m'a mis un coup. Plus freestyle. Ouais, ouais, moi aussi, je vais bien digérer. En tout cas, team, voilà. Ben, on va rentrer, on va faire nos bails et tout. Et on se retrouve tout simplement pour le dîner du soir. Exactement. Et on se retrouve dans 3, 2, 1. Ok la team, on se retrouve pour le dîner du soir. Donc on se retrouve avec des pizzas. Pourquoi? Eh ben si vous êtes un minimum intelligent scolarisé, que vous êtes au collège ou au lycée, oh, vous devez savoir pourquoi. En tout cas, on vous laisse avec la vidéo du requin, aka le bro, aka the frère, aka the brother, aka the hoya, aka the fratello. Aka what's up my bro in a better video, yeah. Video, yeah. Pour le soir, ce que vous allez manger les frères, tout simplement, bah ça va être très simple. Vous allez manger chacun une pizza. Donc c'est très simple, vous allez manger la même pizza pour cette fois, t'as vu. Là vous allez être réunis, vous allez être réunis comme des deux frères. Vous allez manger le même repas, vous allez subir la même chose. Vous allez manger une pizza orientale parce que c'est la base, les pizzas avec les merguez, les œufs, le poivron, etc. Voilà, voilà une bonne pizza pour terminer ces 24 heures. Ce que je décide de ce que vous allez manger. Et bien évidemment avec ça vous allez prendre un Coca-Cola bien frais, tu vois, un bon petit Coca-Cola avec une pizza orientale, rien de mieux. Et pour le dessert, là je vous laisse le libre choix. Vous choisissez ce que vous voulez les frères. D'ailleurs si vous voulez en prendre un, parce qu'avec tout ce que je vous ai donné à manger quand même, je sais pas si vous avez encore faim. Malgré que Momo je lui ai donné un petit tacos, enfin tu connais. Bref, bon appétit. Moi je pense que c'est une pizza orientale. On comprend. Oh, pizza orientale. Comprend hasard pizza orientale alors que le roquet nous a dit pizza orientale. Ah ouais, truc de ouf. Coïncidence. La team, comme vous l'avez vu dans la vidéo, Wassim et qui est le roquet 92 nous a demandé de manger des pizzas orientales. Exact. Donc c'est ce qu'on a pris, des pizzas orientales. Puis il nous a demandé du coca, mais on a une exclusivité. Yes. Si je vous dis du Rushkov, Zaharou. Tout simplement du coca russe mon frère. Regardez l'écriture, enfin, je crois que c'est russe hein. C'est en tout cas c'est pas français, voilà. Voilà. Et vu que à midi il n'y avait pas de dessert, eh ben on s'est décidé de prendre des desserts pour ce voilà. Soir. Des tiramisu au Nutella, comme voilà. Il nous a dit. Et en plus, oh, ils ont l'air énervés. Ouais, on dirait du fait maison et tout. Mais voilà, ça a l'air d'être attends, bon. Attends. Oh, ça sent grave le Nutella frère. Ah. Bon la team, je propose de passer tout de suite à la dégustation. Vas-y. Parce que voilà, j'ai un peu faim. Laquelle part a le plus d'ingrédients? Oh, là il y a bien du jaune d'œuf. Regardez-moi cette beauté. Ouais, ah oui, avec de l'œuf dedans. Oh là là. Là. J'ai un bout de merguez, il était grave bon. Incroyable. C'est quelque chose, hein. C'est comme ça qu'il mange le. Vas-y, ouais, à moi. Moi, franchement, bon, il a un peu abusé, moi je vais faire du réel, hein. Oh putain.
Bon, à ce qui paraît, mon corps peut vous faire choquer. Donc, on va le cacher pour l'instant. Notez le corps de Momo dans les commentaires de 0 à 10. Et tous ceux qui sont restés jusqu'à présent de la vidéo, écrivez mettez corps de Momo. Non, Big Bezoul. Big Bezoul, voilà. Big Bezoul. En majuscule. voilà, tiens. Dans les commentaires. Je vais servir du Zaharouri. Vous savez, c'est quoi du Zaharouri? C'est du sucre en russe. Je? Ouais, Zaharouri. Ça, grâce à ça, Dorati Zaharouri. 27 grammes de Zaharouri. La team, on a repris nos esprits, donc c'est bon. Allez, on va goûter le coca russe de nos amis russes. C'est bon. Ok. Je suis fragile par rapport au gazeux, moi. Vas-y, goûte, dis-moi s'il est bon. Il est grave moins gazeux. T'as vu? Ah, il est pas gazeux, voilà. Oh, c'est vrai quand vous avez... Là, j'ai remarqué. Dans la précédente vidéo qu'on a dit dans le coca français, il y a plus de gaz, c'est vrai. En vrai, de vrai, je le remarque. Là, je le vois. Ouais, c'est vrai. Plus sec, my nigga. Vas-y, moi, je vais taper un croc. Bon, la team, on va attaquer une deuxième petite part. Parce que croyez-moi, elle est très très bonne, cette pizza. On ne dit pas mettre d'olive. Il nous a blindé d'olive. C'est ce qu'il y a de plus sur la pizza. On sent bien la merguez, les poivrons, les olives, l'œuf. Ouais, je suis cœur, frère. Moi j'ai vraiment fait un midi, crois-moi que j'ai encore faim. Moi j'en peux plus. Je vais laisser un tout petit peu de place pour le petit tiramisu. Mais attends, j'ai pas fini de manger là. Bah je t'attends. Mais attends. Mange. Voilà, tu manges toi. Voilà, team, je finis ma petite part et on se retrouve pour le dessert. Ça, croyez-moi, je vais le finir après hors vidéo. Mais juste pour la vidéo, on va manger le dessert. La team, il m'a fait une petite dédicace. Il a mis un petit M de moi. Donc, est-ce qu'on goûte sans plus attendre? C'est parti. Allez, bismillah. Waouh, le coca. Il m'a mis bien. Frère, plus la cuillère, une cuillère de bébé. Ah, c'est bon ça. Oh, elle est aussi bon que la pizza. La team, je vous jure, on dirait une petite mousse au chocolat. De ouf. Zouine, hein. Hajali top. Hein. Dernière cuillère et c'est bon. Hop. Enlève les mains, on a fini. Voilà team, conclusion de cette vidéo. Donc je tenais vraiment à remercier le Rock 92. Franchement t'as bien joué le jeu. Tu nous as régalé malgré à midi. Franchement ça a été un choc pour mon corps. Mon corps a dit non. Il peut pas me faire ça. Non, une viande frère, une viande. Ça fait depuis quand j'ai pas mangé une viande? Je crois que j'en ai jamais pris, frère. Première fois. Bah, moi personnellement je remercie fortement le Roquin. Il m'a régalé du début jusqu'à la fin. Donc mon gars, viens à Toulon, je te régale aussi. La team dit, allez tous écrire au Roquin 92. Ouais, fais des vidéos avec Team Day, Comme ça on fera une vidéo ensemble, nous on partira à la NASA. Sur ce, on espère que la vidéo vous a plu. Voilà. Maximum de likes. N'hésitez pas à lâcher des commentaires. Partagez, commentez. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao.